Hey, salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Gazer to Commander. Aujourd'hui on est reparti pour un tour et comme vous pouvez le constater, malheureusement j'ai fait un épisode sans vous, sans vouloir hein, bien entendu. Le problème c'est que quand j'ai réinstallé en fait j'ai eu un gros problème audio et du coup c'était pas qu'il n'y avait pas d'audio en fait, c'est que c'était complètement décalé, encore pire que l'épisode d'avant. D'ailleurs je m'en excuse pour l'épisode d'avant, c'est vrai que c'était un petit peu dérangeant, mais bon, normalement dans cet épisode ça se devrait avoir s'être calmé, donc j'espère que ça s'est calmé. Donc si ça reste un petit décalage, je suis désolé hein, de toute façon je peux pas vraiment y faire grand chose, mais bon, on va quand même essayer de d'y aller tranquillement. Et tant pis s'il y a un petit décalage, hein, au pire c'est pas bien grave, je pense que c'est pas ça qui gêne vraiment. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant d'avoir des problèmes techniques comme ça, mais bon, c'est le risque de formater, etc. On se retrouve toujours avec des problèmes d'options, etc. Bon, bref, voilà. Donc du coup, on se retrouve sur la meilleure map du jeu, qui fait que je pense qu'on va réussir à trouver le plus d'ennemis. Oh, dommage, j'ai failli avoir un petit doublé là, ça aurait été sympa. Et plus de vie. Wouh, il sort d'où lui? Il sort des spawns de mon allié. Mais mes alliés. Ah oui, d'accord, mes alliés ne font strictement rien. Ceci explique cela. Allez, on va essayer de contrer un petit peu la mauvaisitude des alliés. Allez, 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 on y va là. On fonce. On va tuer les ennemis, on est là pour ça. Et donc, on va essayer de faire. Je sais pas si on va essayer de faire une petite nucléaire, ça serait peut-être un petit peu trop prétentieux, mais on va essayer de faire une petite série. On va peut-être pas aller jusqu'à la nucléaire, surtout sur Aftermath. C'est plutôt un petit peu la partie d'échauffement, on va dire. Hein, c'est un peu la partie d'échauffement, celle-là. On va voir si j'ai un petit peu de shoot, parce que j'ai fait une ou deux parties tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'avais pas trop de shoot. Je me suis dit, allez, je vais quand même faire l'épisode, on sait jamais. Des fois que ça vienne, et puis des fois, tu sais, ça vient, tu sais pas trop comment ni pourquoi. Ça, c'est marrant, parce que tu le brignes, tu vas à gauche, tu vas à droite, et puis le mec, c'est plus où t'es. Il y en a encore un derrière, et les mecs, à chaque fois j'ai l'impression que je me fais avoir comme ça. Mais genre, les mecs ils arrivent de derrière, mais tu sais pas pourquoi ni comment. Les mecs ils sont juste derrière comme ça d'un coup. Genre comme s'ils te spawnaient un mètre derrière toi, tu vois, c'est un tout petit peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est un peu bullshit, j'ai envie de dire. Il est où là? Je comprends pas. Ok, ok, donc on est sur Aftermath avec des bons gros campeurs. On va essayer d'aller déloger tout ça parce que là moi franchement je vais pas rester longtemps contre des campeurs comme ça. Je me casse bien comme il faut. Ça va vraiment être assez compliqué, je pense, là. Bon. Falloir y aller judicieusement. Ok. Pas comme ça. Il y a toujours un deuxième, c'est un truc de fou, hein. Plus je joue à Black Ops 2, plus je me rends compte que j'ai toujours trois ennemis sur la gueule. Regardez-moi ça, quoi. Il y en a encore deux, là. Enfin, c'est incroyable. Mec, t'as l'impression de leur spawn dessus, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, on va peut-être essayer de gagner, mais c'est pas gagné, justement, hein, voilà. Allez, on va plutôt y aller tranquillement, et voilà, il y en a 3. 3. Ils sont toujours par 3, tu sais pas pourquoi. Les mecs, tu te dis, si je les ai un par un, tu vois, enfin, ça va, quoi, au pire, tu perds ton 1v1, c'est bon, enfin, c'est pas bien grave, quoi. Mais contre 3, t'es sûr de pas y arriver, c'est ça qui est chiant, c'est que t'es sûr de pas y arriver, à moins que les mecs soient vraiment complètement débiles ou complètement mauvais. Bon, ça peut arriver aussi, hein, mais en règle générale, t'as plus de balles, toi. En règle générale, quand il y en a 3, c'est même plus une question de mauvais ou pas, quoi. C'est les mecs, ils te bourrinent la gueule et puis jusqu'à ce que tu tombes, tu sais, voilà, encore 2 mecs, là. Ah, 3, pardon. Ah, 4, en fait. Ah bah ouais, 4, 3 je peux, hein. 4 c'est... J'ai quand même réussi 3, c'est pas mal, hein. C'est pas mal d'avoir réussi le 3, mais disons que le 4ème c'était un poil trop, quoi. Je pense qu'ils ont tous respawn sur moi à ce moment-là, et c'est... Comment dire, c'est pas tip-top. Faut prendre ton headshot, s'il te plaise. SV please, headshot. Il est au-dessus? Il est en dessous? Oh putain. Hop, 2 ça passe. 3 ça passe. Il est là, je te vois toi. Je te vois toi. Hop, je t'ai vu, bim, prends ça. Ça c'est bon ça. Genre ils ont un anti-drone. Bon nous aussi mais... Pas cool quand même. Qui c'est qui me tire dessus quand, quoi, comment? Ça c'est un allié. Ça c'est trop chiant quand des fois les alliés qui te tirent dessus, tu sais pas si c'est des alliés ou des ennemis puis... La plupart du temps, ça finit par être des ennemis, mais tu le sais pas vraiment au début, quoi. Alors là, c'est pas l'endroit où passer. C'est l'endroit juste où regarder, tu vois. Tu regardes et tu te casses. Ne jamais passer là, c'est...
Règle numéro 1 d'Aftermath, tu passes pas au milieu. Tu me dis quand t'as fini ton chargeur, mec? Oh, waouh! Ah ouais, bah ouais, c'est normal, hein. Ça campe à mort, quoi. C'est pas mal du tout. Bon, allez, moi j'espère qu'on va la gagner, celle-là. Qu'on la gagne vite, ça serait bien, parce que... déjà, Aftermath, ça me gave un petit peu, je dois vous avouer. C'est vrai que c'est pas la map, je pense, hein. Je pense que c'est la map la plus détestée du jeu. Qu'est-ce que tu me casses les burnes, toi? C'est un peu la map la plus détestée du jeu. Et c'est un peu la map où tout le monde campe comme des gros connards, hein. Je pense qu'on faut le dire. Faut dire ce qu'il y a, il y a un moment, hein, c'est un fait, hein, c'est pas une insulte, c'est un fait. Tout le monde campe comme des gros connards. Ça respawn comme des gros connards aussi d'ailleurs. Donc ça va être un petit peu tendu. Donc il y en a un qui est passé en dessous si je me trompe pas. Donc lui, si je peux aller lui péter la mouille, ça serait pas mal. J'aimerais bien savoir où il est en fait. Apparemment il était pas vraiment là. On va monter bien tranquillement. Bon, y a personne. Waouh. Ok. Ça, c'est le mec à la batteuse qui tire n'importe comment, qui te fout un headshot au jugé, mais complètement retard. Tu sais pas comment c'est possible, mais c'est pas grave. Ça va la camp? C'est bien, hein. T'as vu, je t'ai défoncé la gueule quand tu campais, c'était marrant, hein. Allez, on la refait. Moi, je trouve ça très drôle, personnellement. Ah, bah non, d'accord, ok, ça... Le mec me spawn dessus. Il me spawn dessus. Cette map me fait halluciner. J'hallucine sur place ou à emporter sur cette map, c'est un truc de ouf. Je pense qu'on va attendre, hein. Je veux dire, voilà, hein. S'il faut camper, autant camper, hein, tant qu'on y est. C'est parti, comme ça au moins. Ok, donc le mec il m'a touché avant que je le voie, on est d'accord. D'accord, même lui il m'a touché avant de me voir, t'sais, limite. C'est what the fuck. T'as des trucs comme ça, des fois, des mecs, ils te tuent, mais avant que tu les vois, tu sais. Genre, enfin, c'est pas normal. T'as des angles de caméra un petit peu chelous aussi, des fois, c'est un peu chiant. Mais bon. Il y a un moment, faut mourir. Voilà, un peu comme ça. Là, c'était bien, tu vois. Quand vous vous alignez comme ça, c'est parfait. Alors, vous continuez maintenant. C'est vraiment excellent, comme ça, tu vois. Hop, tac. Allez, campe encore là-bas. Vas-y, tu me fais plaisir, mon gars. Nemco, comment tu fais pour faire un 360 sur ma gueule, comme ça, et... Putain, il était déjà tourné là en fait. Le mec, il était en train de se tourner vers moi depuis 5 minutes, mais moi, je l'ai... Enfin, l'animation était tellement lente, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais... L'animation, elle est arrivée genre 3 secondes plus tard, du coup, je pensais qu'il était pas en train de regarder, tu sais, j'étais en train de prendre mon temps de viser et tout, j'étais bien là, allez, vas-y, viens dans mon viseur. Et en fait, il était déjà retourné, t'sais. Bon. Ok, pas cool. Pas cool du tout. Bon, niveau 46, du coup, ça avance assez vite, hein. Niveau 55, le max. On va pas tarder à arriver au max, hein, quand même. On est pas mal, là. Enfin, pas tarder. Quand je dis pas tarder, il reste peut-être encore un quart du chemin. Je sais pas combien c'est exactement, parce que ouais, on est à 30 000 d'XP, j'en fais environ 10 000 par partie. C'est pour 3 parties par niveau, ça commence à faire pas mal. Ah, j'ai débloqué le... Oh, ça, c'est bien, ça. Ouais, non. Nuketown ou Aftermath. Comment dire? Non. Alors, on va prendre... MP7, c'est un peu, ça pue un peu la mort. On va prendre ceci, ça, c'est très bien. Forcément, j'ai pas d'accessoires. On va pas prendre ça, parce que je compte pas aller en domination, je vais y aller. Bien comme il faut, voilà. J'hésite à mettre marathon, mais je pense qu'on peut garder ça, c'est pas mal. Au niveau de score streak, on va garder, hein, de toute façon, là, à mon avis. Au niveau des score streak, je pense que je suis pas, aujourd'hui, je suis pas assez en forme pour réussir à débloquer des vrais score streak. Donc on va voir ce qui va se faire, mais au pire, si j'arrive à faire des visates et tout, c'est bien, mais je pense pas aller beaucoup plus haut. On va voir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, bon. Yemen, let's go. Scorpion Evo. Scorpion est une très bonne arme, mais sans accessoires, ça va être un petit peu chaud. C'est vrai que j'ai un peu l'habitude de mettre au moins chargeur rapide, tu vois, parce que sur le Scorpion, si t'as pas les chargeurs rapides, tu galères un petit peu en général, c'est un petit peu chiant. Tu passes un peu ta vie à recharger déjà avec le Scorpion, alors quand t'as pas chargeur rapide, tu passes ta vie, plus tu passes encore plus ta vie, tu vois. Waouh, j'ai pas compris pourquoi il était pas mort à la base, lui. J'en ai vu un là-bas, oui, je sais, mais j'ai pas envie d'aller le fight maintenant. Hop, je suis là, je suis plus là. Hop, je suis là, je suis plus là. Non, je suis plus là, je dis. Où est-ce qu'il est? Je me suis barré, je sais pas où il est, je sais pas où il est, y a personne. Je sais pas comment j'ai réussi à survivre, mais je sais pas où sont les ennemis. Alors là, c'est un peu l'endroit. Oh my gosh, le mec il m'a mis trop cher, je sais pas avec quoi, mais il m'a mis tellement cher. L'avantage du scorpion, c'est que tu débloques.
What? L'avantage de Scorpion, c'est que tu débloques tout le temps pillard avant le Scorpion. Et ça, c'est tellement bon, parce que si t'as pas pillard, tu te fais rouler dessus avec le Scorpion. Tu tires, tu tues deux mecs, t'as plus de balles. Ouais, j'ai juste suffisamment un chargeur. Bah, t'as plus de balles, non, d'accord. Waouh. C'est la journée des campeurs aujourd'hui. Hein. Sur les quelques parties que j'ai fait tout à l'heure, il y avait que ça. C'était pire tout à l'heure, hein, parce que tout à l'heure, j'étais sur mon compte principal et j'avais genre des mecs qui étaient Target Finder LMG, tu vois, en train d'attendre dans les coins, tu vois, mais ça, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, c'est même pas comme ils... Enfin, c'est même pas le fait qu'ils campent, c'est hallucinant, c'est les mecs qui se font pas chier, quoi. Enfin, what? Mec, tu campes, il faisait 5 kills dans la game, le mec, quoi. Sauf que les 5 kills, c'était tellement ridicule. C'est juste horrible, ces trucs-là, t'as envie de leur coller des baffes au mec, quoi. C'est un truc de ouf. Un truc comme ça, c'est improbable. Mais bon, quand même faire avec. Hein. Oh, ça c'est bien là, alignez-vous. C'est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recul sur le scorpion, donc tu peux un peu faire ce que tu veux. Merde, je crois que c'était le drone que j'ai mis en premier. Oh, je regardais pas l'écran quand j'ai tiré en fait. Je regardais pas du tout l'écran. Il va me falloir des packs de munitions là, s'il vous plaît. 35 mètres, coup de Remington sans viser. Yeah! Le mec, pas de problème! Allez, va te faire enculer. Pardon, tant pour moi, désolé, je m'emporte un petit peu. Oh, c'est pas moi qui l'ai eu là? Waouh, enfin je l'ai à peine touché le mec, c'est. Je suis plus là. Oh, Brain! Heureusement que j'ai la lire, mais Brain quand même. Je pensais pas l'avoir, je pensais carrément qu'il allait me tuer là. Je sais même pas comment il a fait pour pas m'avoir. Je peux viser s'il vous plaît? Il serait temps d'apprendre à viser maintenant. Oh, il y en a en haut. Ah, il y en a en bas. Ils sont partout. Aidez-moi. Casse de ce côté, moi. Pas le groupe. Non, pas le drone de chasse. Non. Non. C'est pas pour moi. Ça, il y en avait un derrière. My god. Mais ils sont combien? Allié, allô allié, que fais-tu? C'est pareil l'allié quoi, il y a trois mecs qui arrivent devant lui, il se casse mais genre il reste de dos, enfin c'est pas genre il se casse pour mieux les tuer après quoi. C'est le mec qui se casse et puis il se suicide quoi limite. Ah oh, c'est pas le bon endroit pour se mettre là. Et tirer à longue distance avec le scorpion c'est... Non, ça marche pas. Enfin, en général ça marche pas. Non mais franchement Mr Bean arrête de me pré-shot quoi, enfin pff, le mec il me pré-shot, arrête. Il a un V7 ou quoi, le mec il arrête pas de me pré-shot quoi. Mais stop, ah, vas-y, mec, tu veux jouer au Fall? On va jouer au Fall, t'as gagné mec, t'as gagné. T'aimes bien jouer au Fall et spawn kill avec le Fall? Ah oh, c'est bon, c'est marrant, oh, tu vas voir, ça va être trop drôle, moi je vais m'amuser. Je vais tellement m'amuser à te défoncer la gueule au Fall mon pote, tu vas voir, ça va être trop drôle. Non mais sérieux les gars quoi. C'est pas le Fall quoi, c'est que le mec il est tout le temps en train de te viser, tu sais même pas comment, il est en train de te pré-shot au spawn là, truc dégueulasse quoi. Allez, oh t'es mort en pognon, en train de pré-shot le spawn. Oh t'es mignon, comment qu'il est mort comme une merde, lui je sais pas d'où il sort mais bon. Bref. J'ai hâte de causer, je cause un peu trop je pense là. Bref. Bref, bref. Où êtes-vous les gens? Et moi aussi je vais faire du pré-shot tu vois, je vais avancer en visant tout le temps tu vois. J'ai pas la patience malheureusement. Malheureusement, je n'ai pas la patience du tout. Genre du tout en fait. J'aimerais bien savoir où... Ah, il a un peu mis longtemps à mourir, mais bon, bref. Hop, merci, tu dégages avec ton petit Remington. Ah, d'accord, donc j'ai mis une balle de fal et puis un coup de couteau. Mais faut croire que j'ai un couteau qui ne fait pas de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que en général. Enfin, je sais pas. Voilà, donc bouffez ça dans votre gueule. Qui me tire? Que quoi? Oh, allez, dégage. Allez, pousse-toi. Allez, hop. Je crois que c'est le truc le plus horrible entre les ennemis qui campent, c'est les alliés qui bloquent, tu vois. C'est le deuxième truc le plus chiant du jeu, tu sais. C'est juste horrible. Allez, on va passer par là, on va se manier le cul de partir.
Qu'est-ce qu'ils sont? En fait, les mecs sont partout, mais ils sont tous de dos, mais il faut vraiment que je course ça, quoi. Je suis obligé de les courser, tu sais. Hop. Il y en a d'autres derrière, mec. Il y en a d'autres derrière. Je vous avais dit, hein, j'allais pas réussir à aller au Vsat, c'est vraiment pas le jour aujourd'hui, je pense. Pourtant, je fais pas une bonne mauvaise partie, mais j'ai l'impression que j'ai des moves dégueulasses, mais en plein milieu de ma série, c'est un truc de... Alors, je sais pas. Je suis aveugle, comme d'habitude. Oh, le headshot. Cette killcam est quand même assez sympathique, je dois dire. Hein. Malgré le fait que je joue un peu comme une merde, j'ai un bon ratio, mais je joue un peu comme une merde, le headshot était quand même relativement beau. Moi, j'approuve. C'est approuvé. Lu et approuvé. Puis je mets ma signature en bas. Allez. Next. Spotter. 50 ennemis à ta prone. Tu enlèves ça, tu vois. Ça là. Tu l'enlèves. Tu mets camper à la place. Camper. Tu vois, ça rentre. C'est bien. Alors. Oh, le viseur laser sur le scorpion. Cargo. Je crois qu'on n'a pas encore fait cargo. Mais personne ne veut faire cargo. Je sais pas pourquoi. Personne ne veut faire cargo. Très bonne map pourtant, mais... Tiens, je mets jamais le viseur sur le scorpion, on va voir ce que ça vaut. Oh non, mais personne vote pour cargo. J'ai envie de m'en aller, mais... J'ai pas envie de m'en aller, mais j'ai envie de m'en aller quand même. Allez, on va chercher un nouveau lobby, histoire de voir. Ah. Bon, j'espère vraiment que cette fois, il n'y aura pas de délai audio, hein, parce que c'est vrai que la dernière fois, ça m'a un petit peu saoulé. Limite, ça me saoule plus que vous, en fait, c'est ça le truc. C'est que j'ai tendance à vouloir faire des trucs un peu, peut-être pas parfaits, mais au moins qu'ils soient corrects au niveau de la technique, quoi, puis... Et en fait, c'est pas tout le temps le cas. Je me demande pas pourquoi. Ok, waouh, à toi, lui, c'est un campeur. Ah, d'accord, c'est le campeur Betty Shot Charge, ok. Allez. Ah bah oh bah tu es mort, tu es bête, hein, il est mort comme une grosse merde. Oh bah il est mort lui aussi comme une grosse merde, petit campeur, petit choc charge, je sais pas quoi là. Je crois que j'en avais un autre derrière en fait. Mais il me semble que mon allié mais il l'a démoli. Je peux rien faire contre ça quoi. Les mecs ils sont tous Betty Shock Charge. En fait ce qui me fait halluciner c'est pas tant qu'il soit Betty Shock Charge tu vois. C'est que là c'est pas celui qui a mis les Betty Shock Charge qui m'a tué. Je l'ai tué avant celui là, c'est pas le problème. Le problème c'est que je l'ai tué et tu sais pas pourquoi quand tu tues le mec. Et bah ça disparaît pas ces Betty Shock Charge. Et ça c'est génial. Parce que vu que ça disparaît pas. Oh d'accord, une... Oh bah pff, ok. Si tu en une balle à travers un train c'est pas de problème. Si la Betty Shock Charge disparaît pas. C'est génial parce que tu peux mettre des Betty Shock Charge et tu t'en bats les steaks quoi. Parce que de toute façon, t'es sûr de tuer avec, puisque le machin, il marche pas, enfin, il... Toi, tu commences à me gonfler, pareil, là. Ok. Ok, tu veux jouer à ça, toi? Tralala. Je vais te péter la gueule, mon gars. On est d'accord, j'étais pas du tout là où il m'a tué. Oh ouais, d'accord, j'étais pas du tout là. Enfin, j'étais limite de l'autre côté, tu vois. C'est énorme, le truc. C'est bonjour, je lag. Ah non, j'ai 32 ping. Ah bah, je tue lag quand même. 32 ping, tu lag quand même. C'est bien. Ça sert à quoi d'avoir 32 ping? Ça sert à quoi? Sérieusement, ça sert à quoi? C'est hallucinant, quoi. C'est ça, le problème. C'est que le mec, tu vois, il y a le mec qui a 250 de ping dans la partie. Bah, 250 de ping, bah, il fait descendre tout le monde, quoi. Enfin, il fait remonter tout le monde au niveau de ping, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de s'aligner à lui, puis tout le monde a un vieux ping dégueulasse, et puis... Tu te fais tuer à travers des murs monstrueux. Prenez ça dans votre gueule. Je vous avais prévenu. Moi, on m'énerve pas. Viens là, toi. Mais tu crois que je te vois pas, là? Je te vois, là. Putain, il est pas monté, en plus, le con. Je te vois quand même. Voilà. 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 Moi, on ne me la fait pas. Allez, hop là, prenez-vous ça dans vos dents. Ah, c'est vrai, la shock charge qui ne disparaît pas quand le mec meurt. C'est tellement beau. C'est tellement beau, le mec, la shock charge qui disparaît pas. C'est juste énorme. Mais le mec est mort. Go la faire disparaître. C'est le principe de base, en fait. Je t'explique. Je t'explique comment marche le jeu, tu vois. C'est le principe de base. Le mec, il meurt, ses atouts, ses trucs, conneries-là, disparaissent. C'est la base. Allez, viens là, toi. Allez, moi, je défonce la mouille. Putain de sniper de merde, là.
Eh, tu m'attends? Pardon, il a une choc charge, autant pour moi. Je vais t'apprendre, je vais te la mettre dans la tête, ta choc charge, moi tu vas voir. Oh là là, la bêtise, heureusement que j'ai le bouclier anti-explosion. Je sais pas si je l'avais en fait, mais je vais me dire que je l'avais parce que vu comment j'ai réussi à survivre, je trouve ça un peu juste si je l'avais pas en fait. Waouh, je crois que vraiment que les alliés appelaient pas le tuer. J'ai pas fait exprès, mais je voulais faire un double changement d'arme en fait. Attends, là je suis en QWERTY, voilà, c'est bon. Faut vraiment que j'enlève ce truc QWERTY parce que tu passes en QWERTY comme ça, puis tu peux plus avancer. Ok, je peux plus avancer. Alright, oh, on était en train de perdre en plus. The fuck? J'ai plus de munitions. Ok. Bon, bah voilà. Putain, je suis en 27-7. J'ai fait tellement une grosse série à la fin en fait. Tous des cons, t'as raison, c'est tous des cons. Par contre, je pense que je vais me remettre le masque tactique hein, parce que j'en peux plus quoi. Ne pas avoir le masque tactique, c'est juste suicidaire en match à mort. Les mecs sont tous en train de camper avec le short charge. Avec leur shock charge Betty. Alors, la Betty, c'est pas trop dérangeant parce que tu peux t'allonger et tout, tu peux t'accroupir, t'allonger. Mais la shock charge, c'est un petit peu chiant quoi. Puis bon, ça protège des flashs et compagnie, donc c'est toujours pas mal ça. Allez, niveau 47, 22 000 d'XP quand même. Hein. Putain, on fait pas mal d'XP. C'est vrai que le fait d'utiliser pas mal d'armes différentes aussi, ça fait plein d'XP, ça c'est pas mal. Je fais combien de séries là? J'ai pas dû aller loin, une petite dizaine je crois. Ouais, je fais 2 fois 10. Oh, j'ai fait un super kill. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, silencieux sur le scorpion, on va éviter. Par contre, je vais dégager ça. Et on va mettre le masque tactique. Parce que le masque tactique, c'est obligatoire. C'est comme le pinard, c'est obligatoire. Ouais, niveau 47, allez. Let's go. Ijaked. Une petite partie sur Ijaked, ça va, ça fait longtemps que j'ai pas fait Ijaked. J'ai bien prononcé Ijaked. Je vous emmerde. Je prononce à la française, sinon personne ne comprend, tu vois. Il y a toujours un mec qui dépasse normalement quand t'arrives au milieu, tu vois. Non? Bon. Ça veut dire qu'il y aura personne et qu'il faut aller directement foncer dans le tas. Allez hop, t'arrives derrière là, tu fais bonjour le spawn. Apparemment ça sert à rien vu qu'il y a personne qui spawn. Ça c'est les débuts de partie où tu te demandes ce qui se passe dans les games là. C'est le début de partie, bonjour, j'ai vu personne en 25 minutes, comment ça se passe? Heureusement qu'il tue super vite ce truc là. Failli me faire tuer par l'allié encore hein. Ah bah voilà. Je me suis fait tuer par l'allié en fait. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Shit. Il y a un truc un peu un problème, les mecs ils sortent de ton spawn, tu sais, mais. Tu sais pas trop comment. Où est-ce qu'il est? J'entends son coup de. Ah non, c'est mon allié qui fait coup de couteau dans le vent là. Bizarre. Parce que j'entendais des coups de couteau, mais je sais pas, c'était peut-être en bas après. Ouah, je passe. Et je cours, je me raccroche à la vie. Ah! Voilà. Le mec. Il a tiré à côté sa deuxième balle, j'y crois pas. Ouais. C'est le. Le sniper tout pourri qui gâche toute la game, tu vois. Allez, on court, intérieur. On tue tout le monde. C'est un allié, ça? Je me demandais si c'était un allié ou si c'était un ennemi, au final, hein, parce que... Ok. Toi, mon pote, avec ton sniper, là, je vais t'apprendre à sniper. Sniper, arrête de sniper, je t'ai dit. Tiens, toi, arrête de tirer, tout simplement. Oh, petit Vissat. Waouh, l'allié a juste mis 35 milliards d'années à tuer l'ennemi. Bichour, bichour. Il y avait personne. What the fuck? J'ai pas du tout vu ça sur mon écran. Mais il faut croire que ça marche quand même, hein. Tu vois n'importe quoi sur ton écran. Genre j'ai vu à peine un pied passer quoi, tu vois, le mec il te voyait en entier, genre il y avait sa tête qui dépassait et tout, mais non, toi t'as vu un pied. Ok. Allez, dégage avec ton Remington de merde toi. Je t'apprendrai à Remingtonner quoi. Dégage avec ton Remington, je t'ai dit là. Putain, les mecs ils sont deux Remington en plus. Quelle horreur. Quelle horreur.
C'est juste horrible ce truc là. Ouais c'est ça, vas-y vas-y, tu vas voir, moi je vais te foutre des. Je vais te foutre des coups de scorpion dans les dents moi. Peut-être pas rester en haut parce que quand on reste en haut, c'est pas la bonne idée en général. Oula, ils sont tous là. Allez hop, on fait le ménage. Bien gentiment. Allez, ça c'est fait. Tac. Eh mon gars, hop, allez, balance ta bêtise, vas-y, je la regarde. Oh, il est pas mort. What? Ok, j'ai mis 15 balles de scorpion dessus, il n'est pas mort. Ah pardon, elle était à l'intérieur la grenade, je voyais à l'extérieur, moi c'est pas grave. 15 balles de scorpion sur sa gueule, en plein dessus en plus quoi, c'est pas genre... Enfin c'est pas genre j'étais pas dessus quoi, enfin je vous mettrais un ralenti tu sais tu vois, mais j'étais juste en plein sur sa gueule quoi. Il y avait même pas de discussion à avoir quoi. La discussion n'existe pas quoi, j'étais juste en plein dessus. Bon. 31-5, c'est pas une mauvaise partie, mais enfin cette mort était complètement bullshit, hein. C'était vraiment du bullshit. Totally bullshit. Allez. Oh, je fais des parties pas mauvaises, hein. Puis ça avance un petit peu, j'ai l'impression que ça avance pas mal au niveau du level. Vous avez vu, hein, j'ai essayé de pas dire au niveau du niveau, ce qui est quand même une petite amélioration. Allez. Petite dernière pour aujourd'hui. Petite dernière. Ah, Fast Mags. J'ai fait 15 d'affilée quand même, hein, tu vois, j'aurais pu continuer, quoi. Si je m'étais pas pris une mort bullshit complètement, ça aurait pu continuer. Par contre, on va certainement pas mettre... comment ça s'appelle, là? Aftermath. Ne plus jamais voir cette map. C'est comme Nuketown, je veux plus la voir. Nuketown, c'est trop le bordel, tu peux rien faire, parce que de toute façon, c'est le bordel. Et puis Aftermath, tu peux rien faire, parce que de toute façon, tu vois personne. c'est juste les deux maps opposées, tu vois. Il y en a une, les deux, tu peux rien faire dans tous les cas. Allez. Mais moi, je sais pas, un petit raid, là, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur raid, j'aimerais bien un petit raid comme ça, c'est tranquille. Waouh, cargo, c'est vrai, tout à l'heure, j'avais dit que je voulais faire cargo. C'est une magnifique idée. Je suis affirmatif sur cette position. Allez. C'est vrai, cargo, on l'a fait très peu souvent, et je sais pas pourquoi, parce qu'elle est quand même vachement bien comme map. Y a pas beaucoup de monde qui la font, enfin, qui veulent la faire. Allez, go. Cette fois, on va essayer de pas forcément trop mourir. Ce serait bien de faire une petite série, quoi. Parce que je fais une série de 15 tout à l'heure, mais c'est pas vraiment une série, quoi. C'est différent. Oh, ça campe déjà tout au fond. Le mec, il m'a quand même raté, hein. Ce qui est quand même pas mal, déjà. Le mec, il a que ça à faire de viser là, puis il te rate. Tu sers à quoi, mec, enfin... Eh, tu sers à quoi? Oh, c'est pas moi qui lui, ça me fait péter un câble. Mec, je le vise et je lui tire 20 balles, et là, t'as un assist à 25 qui arrive. Alors que tu lui as mis 35 millions de balles dessus, tu sais pas pourquoi. Waouh! Alright! Alright, alright! 2-6, pardon. How is it possible? Je sais pas où aller parce que je sens que je vais me faire shooter, voilà. J'ai passé le mur. Ça fait 5 minutes que j'ai passé le mur. Ah, d'accord. J'aime bien, c'est que même mon cadavre il va crever ailleurs, tu sais. C'est trop fort, t'as ton corps qui va crever, mais à 15 mètres de l'autre côté du mur, c'est hallucinant. Bon, je crois qu'on est en train de se faire laminer, hein, littéralement. On va essayer de remonter ça vite fait, bien fait. Le problème, c'est que sur cargo, j'ai pas la meilleure arme et les mecs sont toujours à l'autre bout de la map. Esquive, esquive, allez! Pas rester en plein milieu non plus, mais allez, ça a monté là. Oh, il y en a un autre. Oh, il y en a partout en fait. C'était quoi? C'était un C4 ça? Ouh! Eh ben, c'est pas de tout repos ici, hein. C'est vraiment pas de tourpo quoi. Où est-ce qu'il est passé lui? Orbital VSAT on standby. Orbital VSAT online. Allez. Ouh, un petit AFK là pour la route, tu vois, le petit AFK c'est ce qui fait plaisir toi, c'est la récompense. C'est la récompense une fois que t'as eu le VSAT.
La petite récompense tranquillou. Alors où est-ce qu'ils sont? Où sont-ils? Oh, tu regardes ce côté-là? Eh, c'est comme ça maintenant que je monte. Bonjour. Oh non, c'est mon kill. C'est mon kill. Fais gaffe, il y en a un derrière toi, mec. Derrière toi. Derrière toi, j'ai dit. Putain, le mec, il m'écoute pas, en plus, là. Je sais pas pourquoi il m'écoute pas. Je lui dis qu'il est, je suis derrière lui, mais il veut pas. Ah, le petit AFK qui fait plaisir, il est là-bas. Fuck! Pourquoi j'ai le VSAT maintenant? J'aurais, franchement, j'aurais dû attendre. J'aurais dû, je sais pas, j'aurais dû mettre un coup de cut. Je suis sûr que je mettais un coup de cut, je l'avais, quoi. Un vieux coup de cut dégueulasse, ça le tue. En plus, j'ai le VSAT, je prends tellement trop de risques avec le VSAT, c'est moche. Je sais pas pourquoi je prends trop de risques comme ça. Je suppose que j'ai envie de tout le temps bouger et tout. J'ai envie de faire un truc un peu... pas envie de dire propre, mais un peu agressif, tu vois. Et du coup, forcément, bah, je crève comme une grosse merde. Oh, le petit AFK, c'est la récompense. Tac. Oh, pardon, il est là. Autant pour moi, je regarde pas ma map. Ouais, vas-y, me prends pas le kill comme ça, là. Ça se fait pas. Et... bonjour, je suis là. Tac. C'est quand même sympathique, le scorpion, hein. Les mecs, quoi, vous êtes trop mongols, mais c'est un truc de fou. Ils sont tellement mongols, les alliés voient une grenade. Tiens, si j'allais mettre mon pied sur la grenade. C'est tellement bien de mettre son pied sur la grenade. Mais bien évidemment... what? Bah oui, bien sûr, le mec il flinche, il tire à côté, et ça me tue. Normal. Allez, viens là que je te mette ta fessée avec le scorpion. C'est moi qui... waouh! Alors toi, non, non. Non, non, je suis pas d'accord là. Toi, tu vas prendre ta grosse fessée. Ça va pas le faire là. Tu vas voir. C'est toi là? C'est pas toi. Il y avait un sniper. Ah ouais, mais là je peux pas là. Je voulais faire un 360 et tout, enfin un 180, mais. Comment dire, déjà le mec était un peu loin et puis il m'avait déjà genre un peu beaucoup entamé, tu vois. Allez, on monte en haut vite fait, vite, 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 vite. Oh, j'ai réussi à monter. Hop, maintenant on s'allonge et on attend. On attend pas longtemps parce que ça marche pas d'attendre longtemps. Oh, je le tue aussi. Putain, j'avais rechargé en plus, la vitesse à laquelle j'avais réussi à recharger là. La petite annulation qui s'est fait pile poil au bon moment. Parce que je me suis dit, il va arriver là, il va falloir que j'arrête, soit que j'arrête le rechargement, soit que de toute façon, il va falloir que je tire quoi. Donc je me suis dit, autant arrêter le rechargement, s'il reste 5 balles avec du bol, je mets les 5 et puis. Je bute quoi. Mais il faut croire que j'avais pas tant de bol que ça. Allez, petit killcam. Y'a pas un AFK là-bas là? Juste pour la killcam, s'il vous plaît quoi. Y'a même pas d'AFK pour la killcam, je suis déçu. Bon. 28-7, petit ratio de 4. J'aurais pu mieux faire. Ma team était trop forte là parce que. Enfin, j'ai fait de la merde. Hein. Un moment, j'ai fait surtout de la merde. Et après, ma team était un peu forte, je pouvais pas faire 30 kills, c'est dommage. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on est niveau 47, je pense qu'on est bientôt 48 en plus à mon avis. Ça monte plutôt vite, c'est assez sympa ça. Je pensais que ça allait prendre plus de temps en fait, mais je pense qu'en une petite vingtaine d'épisodes, ça va se faire largement. Du coup, je suis niveau, je suis con, je viens de le regarder en plus. Et Timo, je suis niveau, j'ai fait 9000, il me reste 12000 d'XP, un petit peu moins de 12000 pour le niveau 48, donc on est plutôt pas mal. Allez, on est à combien de ratio? Je sais pas si on a monté, je pense pas qu'on est monté aujourd'hui, on est un peu descendu. J'étais à 72, je crois, 73, un truc comme ça. Bref, bon voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse là-dessus, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, et puis on va se retrouver la prochaine fois. Allez, ciao!